Les astrologues ont été récompensés par les plus grands de ce monde, allant des généraux de la Grèce antique jusqu'au président américain du XXe siècle. Et de grandes décisions qui font date sont toujours prises selon la position des étoiles. Mais est-ce que le mouvement des planètes influe réellement sur les événements terrestres? Comment les astrologues peuvent-ils interpréter la configuration du ciel et prédire les événements tels que le mariage, la guerre? Notre futur est-il inscrit dans les étoiles? Au XVIIIe siècle, en Angleterre, il y avait deux hommes dont le passé ne pouvait pas être plus différent. L'un était un simple forgeron, l'autre, le roi George III d'Angleterre. En dépit de cela, leur vie était pleine de similitudes. Ils ont hérité de leur père dans le même mois, ils se sont mariés le même jour, ont eu le même nombre d'enfants, ont été malades au même moment et ont encouru les mêmes accidents. Même leurs morts ont été séparées de seulement quelques heures. Ils n'étaient pas parents de sang, mais ils étaient des jumeaux astrologiques nés virtuellement au même moment, seulement séparés de quelques kilomètres. Et leurs horoscopes étaient identiques. D'après les croyances astrologiques, la similitude des modèles de leur vie était prévisible. L'astrologie, d'une certaine manière, est familière à tout le monde. Des millions de personnes lisent quotidiennement leurs horoscopes dans les médias, et même le plus sceptique d'entre nous connaît son signe astral. Ce que l'on ne réalise pas forcément lorsque l'on recherche son horoscope dans les journaux est que nous sommes les bénéficiaires de la plus ancienne entreprise intellectuelle de l'histoire de l'humanité. Connue sous le nom de Reine des Sciences, l'astrologie est notre plus ambitieuse tentation de combiner la science à la philosophie pour obtenir une explication de la destinée. L'astrologie est aussi vieille que les premiers écrits de l'histoire. Cela débuta il y a 5000 ans, lorsque les gens commencèrent à observer et à noter le mouvement des étoiles dans le ciel. Intrigués par leurs observations, ils imaginèrent une relation entre les mouvements dans le ciel et la vie des humains sur Terre. Depuis, les astrologues ont conservé cette connexion entre les planètes et le peuple, mais ne se sont jamais mis d'accord sur le comment et le pourquoi. L'astrologie a traversé le temps. Elle est aussi populaire qu'auparavant et existe n'importe où dans le monde. L'historien Nick Campion de l'Université de Cambridge a effectué une étude académique sur l'influence de l'astrologie. L'astrologie, en fait, est infiniment flexible. On ne peut pas nier le fait que c'est l'un des outils les plus précis pour décrire les caractères et pour prédire le futur. Robert Curet est un astrologue important qui attire chaque année des milliers de personnes dans son magasin. Je pense que le succès et la popularité de l'astrologie sont dus au fait que c'est une vérité. C'est quelque chose de fondamental. Je pense que l'astrologie provient de quelque chose de supérieur, c'est une part de l'univers. Il m'arrive, lorsque je fais des thèmes astrologiques en consultation, d'avoir des frissons dans le dos parce que les gens diront des choses étrangement vraies, en accord avec les thèmes. Pour la plupart des gens, lire un horoscope est un acte bref. Une prédiction impersonnelle dans un journal ou à la télévision. Chelle Van Stunkel est consultante astrologue et écrit des horoscopes dans des journaux anglais et américains. Ces articles sont faits pour donner à chacun d'entre nous une chance de penser à la journée à venir. C'est un peu comme une page météo pour une part spécifique du pays. Mais ces horoscopes se basent sur les signes du zodiaque, appelés aussi les signes du soleil. Zodiaque est le nom donné à une constellation dans le ciel, à travers laquelle le Soleil, la Lune et les planètes passent. Les Romains ont comparé le mouvement des planètes en toile de fond à une course de chariot. Le Soleil, la Lune et les planètes sont le chariot et les constellations sont la piste de course. Le zodiaque est découpé en 12 divisions ou signes. Chaque personne née durant les 30 jours, durant lequel le Soleil traverse la division, appartient à ce signe. Et les astrologues croient que les gens seront influencés par ces caractéristiques. Les prévisions du soleil sont très générales. Néanmoins, les horoscopes dans les journaux connaissent un large suivi. Erin Sullivan, écrivain et formatrice en astrologie, a aussi rempli quelques colonnes dans des quotidiens. Les signes du soleil dans les journaux intéressent des millions de personnes. Et c'est souvent pourquoi les gens les achètent.
Certaines personnes qui rédigent ces colonnes ont un terrible succès, ils sont très forts. Ils ont un vocabulaire excellent, ils sont capables de très bien modeler le symbolisme. Vous en trouverez qui sont vraiment très bons et d'autres qui sont absolument ridicules. Un véritable horoscope est bien plus qu'une simple description du signe du soleil. C'est un thème astrologique décrivant les influences astrologiques propres à chaque individu. Le graphique est projeté par un astrologue et est appelé un thème natal. Ceci est un plan des positions des planètes à votre naissance. Et c'est la seule carte qui vous définisse. Et de cette information, un astrologue peut connaître votre potentiel, quel type de personne vous êtes, le type d'expérience que vous pouvez avoir dans votre vie, et comment vous pouvez appréhender certaines difficultés dans votre vie. Les astrologues disent que le thème natal peut révéler si la personne est ouverte, anxieuse, si elle aime la musique, la technique, si elle est émotive, et peut vous indiquer probablement votre type de profession. Ce thème est une image du ciel au moment exact de votre naissance. Les motifs dans les cieux peuvent changer en moins de 4 minutes. Donc personne, à part ceux qui sont nés au même moment, ne peuvent prétendre avoir le même horoscope. On suppose que des jumeaux astrologiques comme le roi George III et le forgeron doivent avoir le même type de vie comme des vrais jumeaux, nés à quelques minutes cruciales d'intervalle. Peu de personnes connaissent l'heure exacte de leur naissance, mais ceci n'empêche pas d'avoir un horoscope. Habituellement, les astrologues projettent un thème sur la date de naissance. Mais il y a une étape plus longue, appelée rectification, qui permet aux astrologues de travailler à reculons depuis les événements de votre vie jusqu'à l'heure probable de votre naissance. Quiconque connaît sa date de naissance peut se rendre chez un astrologue et faire son horoscope. Ce n'est pas plus différent que d'aller voir n'importe quel consultant, mis à part que vous devez fournir votre date de naissance, le lieu et l'heure. Normalement, avant même le rendez-vous, l'astrologue aura calculé un thème, un horoscope. Le thème natal peut être dressé pour n'importe quoi ayant une date de naissance. Une ville, tout type de structure peut avoir un thème astral. Le mur de Berlin, par exemple, construit en août 1960, avait un horoscope qui prédisait une période d'instabilité et de changement pour novembre 1989, la date historique de la chute du mur de Berlin. Nick Campion a même dressé des thèmes pour des pays. On prend des moments politiques importants ou particuliers pour chaque pays. Pour un pays donné, ça va être la révolution, pour un autre, un couronnement. Alors pour les États-Unis d'Amérique, on a pris le 4 juillet 1776, qui est la date de la déclaration d'indépendance. Les graphiques pour les lieux, pour les groupes ou pour les pays se nomment l'astrologie du monde. C'est la forme la plus ancienne de l'astrologie et la plus utilisée par les plus grands chefs d'État de l'histoire. Ces horoscopes montrent les moments propices pour débuter d'importantes entreprises, que ce soit pour des discours ou pour déclarer la guerre. L'astrologue Joan Quigley utilisa l'astrologie du monde pour choisir le meilleur moment pour Ronald Reagan afin d'inaugurer son second mandat de président des États-Unis d'Amérique. Elle choisit 11h57 le matin à travers le thème pour Washington DC. C'est un thème spectaculaire. Le soleil est sous le signe du Verseau, qui est le signe de Ronald Reagan. Et Jupiter, la planète de la croissance, de l'expansion et de l'opportunité, était proche de la Lune, ce qui signifie popularité. Il ne pouvait y avoir de meilleure indication pour le succès d'un gouvernement. Le rôle de Quigley dans la Maison Blanche fut très secret. Mais des choix politiques très importants en Inde et en Malaisie sont toujours faits par des lectures astrologiques en public. Un horoscope est basé sur une carte du ciel. C'est une carte extrêmement détaillée et les astrologues sont reconnaissants d'utiliser la technologie des ordinateurs, ce qui évite un lourd travail de dessin. Henry Weingarten est un astrologue financier qui génère des milliers de thèmes chaque année. Le rôle des ordinateurs a remplacé le travail de nombreux étudiants, et cela depuis de nombreuses années. Ils calculent les procédures à votre place, mais l'analyse reste faite par un professionnel. La carte devient parlante lorsque l'astrologue commence à la lire. L'astrologie demande de la technique, demande de grandes connaissances des influences planétaires. Les clés de la réussite sont la pratique et l'expérience. Les astrologues ne prétendent pas qu'un horoscope prédit totalement le futur.
Ils disent que les étoiles ne sont pas catégoriques. Elles expriment une tendance. Donc, aucun horoscope ne va déclarer que tel accident va survenir. Seulement qu'à un certain moment, un accident est possible. Les astrologues ont pour but de fournir à leurs clients des informations supplémentaires pour les aider à choisir sans restriction. De nombreuses personnes pensent que la lecture d'un horoscope provoque la réflexion et pousse la concentration sur les issues. Ça les aide à prendre des décisions. Comment l'analyse d'une carte du ciel peut-elle influencer les décisions des gens sur Terre? La réponse réside dans la croyance de l'astrologie et l'influence des planètes. Une croyance qui naquit il y a 5000 ans. 3000 ans avant Jésus-Christ, l'astrologie naquit parmi les anciennes civilisations de Mésopotamie, aujourd'hui représentée sur le territoire de l'Irak. Dans une région appelée Babylone, les premiers astrologues se posèrent sur leur petite colline, Ziggurat, d'une centaine de mètres d'altitude, pour observer les étoiles. Ils se mirent à observer que les corps célestes, les planètes, semblaient suivre des chemins étranges, se croisant parfois à de grandes vitesses, parfois au ralenti, et même parfois à reculons. Les scientifiques d'aujourd'hui, avec leurs énormes télescopes et leurs sondes spatiales, n'ont fait que confirmer ce que ces anciens ont observé. Que les planètes ont des orbites régulières, qu'elles évoluent sur leur trajectoire, en luminosité et en vitesse. Les Babyloniens ont même observé des correspondances entre ces phénomènes et des événements sur Terre. La philosophie mésopotamienne croyait que le monde entier était, et par cela elle signifiait l'univers, la Terre comme les étoiles. Cette philosophie se perpétua à travers la Grèce classique, Rome, et enfin en Europe, durant la Renaissance. Les gens pensaient que la nature leur parlait, et derrière cette nature il y avait des dieux et des déesses. Selon les Babyloniens, les forces de la nature étendues à l'espace étaient inséparables de la vie terrestre. Ces premiers astrologues ont vu ces planètes comme symbolisant la puissance et les caprices des dieux et des déesses. Chacune des planètes ressemblait en apparence, et d'après ses mouvements, aux caractéristiques de son dieu d'appartenance. Les Grecs et les Romains, après les Babyloniens, ont cru que ces planètes, toutes différentes, influençaient la vie sur Terre. Et que plus une planète fut proche de la Terre, d'après son orbite, plus les gens sur Terre subissaient son influence. Cette idée ancienne de l'influence des planètes avec des personnalités distinctes est toujours la pierre angulaire de l'astrologie moderne et la base de l'interprétation des horoscopes. La fonction principale d'un horoscope est d'enregistrer la position des planètes pour évaluer leur influence. Ce thème, l'horoscope de John Fitzgerald Kennedy, est sténographié et développé par les astrologues à travers les siècles. Malgré le peu d'évolution dans le temps de cette sténographie, le mécanisme de dessin des thèmes a été transformé par les ordinateurs. Mais les astrologues continuent à apprendre les techniques traditionnelles en utilisant les tableaux astrologiques. Si on voulait calculer l'horoscope du président Kennedy, il nous faudrait d'abord connaître sa date de naissance, l'heure et l'endroit où il est né. Il est né le 29 mai 1917 à Brooklyn, Massachusetts, à 3h17, l'après-midi. La première étape est de calculer l'heure au niveau du méridien de Greenwich. La raison est plutôt simple, toutes les planètes sont calculées à partir de l'heure GMT. Maintenant, nous pouvons utiliser le tableau des maisons pour ajuster et alors observer son signe ascendant qui est Balance. Le signe ascendant est le signe montant dans l'horizon Est, à votre naissance. D'après les traditions astrologiques, le signe montant ou ascendant est aussi important pour définir votre horoscope et votre caractère que l'est le signe du Soleil. Pour le thème du président Kennedy, son signe montant est la Balance. On le note attentivement à gauche et on remplit le reste des signes du zodiaque autour du cercle jusqu'au signe de la Vierge. Le thème a encore d'autres découpages. Il y a les maisons. Elles se réfèrent à des zones pratiques de la vie humaine, comme la famille, l'argent, le voyage et le travail.
L'étape suivante consiste à déterminer la position des planètes au moment de la naissance. On prend maintenant un livre appelé Éphéméride qui va permettre de lister la position des planètes pour tous les jours de l'année et même pour des centaines d'années. En prenant le thème du président Kennedy, il est né avec le soleil aux Gémeaux et la lune sur la Vierge. Maintenant, les positions des planètes dans l'éphéméride vont être précisées au degré le plus proche. Nous précisons davantage. Nous ne regardons pas seulement à quel signe se trouve la planète, mais aussi nous le faisons pour les 8 autres planètes. Une fois les planètes enregistrées sur la carte, on peut commencer l'interprétation. L'astrologue doit connaître les influences identifiées pour chaque planète. Pour le thème de Kennedy, les planètes les plus significatives sont Jupiter, la planète des dirigeants et du succès, Mercure, la planète de l'esprit et de la communication, Mars, la planète de la guerre, Vénus, la planète de l'amour, et Pluton, la planète de la mort et de la fin. L'influence des planètes les unes sur les autres peut être aussi importante que leur effet individuel. Un groupement puissant est une des clés du thème de Kennedy. Il est intéressant de voir qu'il avait une très importante conjonction de planètes autour du taureau. Une conjonction signifie un lien très étroit, en dessous de 8 degrés, avec le signe. Et il a Jupiter, qui est la planète de l'optimisme et de la croissance. Mercure, qui est la planète qui a dirigé son processus mental, ses idées. Et la planète Mars, qui est la planète de la colère et de l'agression, et qui indique la guerre en politique. Le taureau est un signe qui est très persévérant et têtu, et ne s'écarte pas de ses objectifs. Il trouve une voie et ne l'abandonne pas. Je pense que c'est cet alignement particulier qui indique son succès devant l'Union soviétique à Berlin et à Cuba. En regardant le thème de manière littérale, Mars, dans le temps ancien, dominait avec des arcs et des flèches. Bien sûr, aujourd'hui, il faut voir des missiles. Les angles entre les planètes sont très importants, ou les aspects d'un point de vue astrologique. L'étape d'interprétation qui suit consiste à regarder les aspects des planètes. Les aspects sont des distances précises entre les planètes. Certaines sont difficiles et d'autres plus faciles. En regardant le thème de Kennedy, on voit que la Lune décrit deux aspects difficiles. Un vers Vénus et un vers le Soleil. Entre la Lune et Vénus, cela est très difficile émotionnellement. Et ça peut représenter la profonde attirance qu'il a eue pour Jackie d'une part comme femme et mère de ses enfants, et son désir d'avoir des relations avec d'autres femmes. Avec Marilyn Monroe et d'autres. Et la même... Se serait passé entre la Lune et le Soleil, ce qui représente le divorce ou une cassure dans le mariage. Et si Kennedy était vivant aujourd'hui, nous aurions vu sa relation avec Jackie en pleine débâcle publique. Comme nous le savons, c'était déjà le cas, mais en privé. Si nous regardons Pluton, à travers le thème de Kennedy, alors dans la mythologie ancienne, Pluton était le maître du monde souterrain. Dans l'astrologie moderne, c'est une planète qui représente la fin, en l'occurrence la fin de la vie. Maintenant, il est troublant de remarquer que lorsque Kennedy est né, Pluton était exactement au-dessus de Dallas. Voilà comment calculer et interpréter un thème. Aujourd'hui, n'importe quel ordinateur peut faire le calcul, mais rien ne peut remplacer les interprétations des astrologues. Les astrologues modernes aident souvent leurs clients dans leur vie personnelle. Prédire des événements a toujours fait partie de l'astrologie. Les astrologues les plus réputés ont prédit de grands événements, même le début de nouvelles époques. Il y a à peu près 2000 ans, un petit groupe d'astrologues perses ont observé un événement inhabituel dans les cieux. Ils ont découvert que cela avait été prédit par le philosophe astrologue Zoroaster et qu'il annonçait la naissance d'un nouveau roi.
Les astrologues se sont mis en quête, cherchant l'heure et le lieu de naissance de ce nouveau roi, observé par les astres. Mais lorsqu'ils sont arrivés à destination, ils ont trouvé seulement un bébé dans une étable. Les astrologues étaient les rois mages et le bébé était Jésus. L'astronome, le docteur Percy Seymour, a étudié le ciel dans la configuration de la naissance du Christ pour y découvrir ce qui a conduit les rois mages à leur conclusion historique. Il trouva une rare association entre la planète Jupiter, traditionnellement associée au roi, et Saturne, qui fait référence au peuple juif. Ces deux planètes ont en fait effectué une espèce de danse dans le ciel et se sont réunies trois fois dans une seule année. On appelle ça une triple conjonction. Mais il y a quelque chose encore plus significatif. Cela vient de la constellation des Poissons, car le signe du Poisson est associé avec la zone de Bethléem. Une triple conjonction du Poisson ne se produit qu'une fois tous les 900 ans. Et je pense qu'ils se sont dit que ce devait être un roi d'origine juive qui devait naître à Bethléem. Donc, ils sont partis à la recherche de ce roi. Ils ont même peut-être utilisé les recensements à l'époque pour trouver quel enfant était né au bon moment. Et ils ont dû dire à la mère qu'il était né pour devenir le roi des Juifs. Lorsqu'un enfant devait naître dans une lignée royale, une personne était plus anxieuse que le père. C'était l'astrologue de la cour. Au palais de Macédoine, 356 avant Jésus-Christ, la cour attendait le nouvel enfant du roi Philippe II et Olympias, la femme de Philippe, était sur le point d'accoucher. L'astrologue supplia Olympias d'essayer de retarder le plus possible la naissance. Et si elle le faisait, son enfant allait avoir un horoscope extraordinaire et allait devenir un des plus importants chefs d'État du monde. Olympias arriva à faire ce que l'astrologue lui demanda, et son fils naquit en plein dans son horoscope. Olympias venait de donner la vie à Alexandre le Grand. On a passé d'interminables moments à le regarder. On le travailla dans tous les sens et ce fut d'une très grande responsabilité car nous avons relevé cette nouvelle lune dans le poisson et nous... que ça allait devenir le thème le plus extraordinaire. Il collait parfaitement avec les autres thèmes. Nous l'avons préparé pour que ma femme rentre à l'hôpital et nous avons attendu que le docteur vienne faire les préparatifs, mais rien ne s'est passé. Elle avait fait une crise ce matin-là. Le résultat est que la lune avait changé de signe. L'horoscope était complètement différent. Mais en fait, ce fut la chose la plus extraordinaire et je pense que la leçon à en tirer est qu'il faut laisser les choses se faire. L'intérêt de l'astrologie s'est réduit durant le Moyen-Âge. Mais au XVIe siècle, il est redevenu très actif, bien vu, et une qualité essentielle pour les gens bien éduqués. L'astrologie était un courant dominant, au même titre que les mathématiques dans les universités, la médecine et l'astronomie étaient utilisées par les docteurs, les scientifiques et les hauts intellectuels. L'un des astrologues les plus connus de toute l'histoire de l'astrologie était John Dee, qui était l'astrologue privé de la reine Élisabeth Ière d'Angleterre. Et on peut dire qu'il est responsable de certaines des plus capitales décisions prises durant l'un des plus importants règnes de l'histoire de l'Angleterre. Le travail de Dee a aussi consisté à être un espion pour Élisabeth. Mais l'astrologie, et non la politique étrangère, était le fer de lance de sa fonction auprès de la reine. Il choisit des dates propices pour tout événement important. Un de ses plus grands succès fut en 1588, lorsqu'il conseilla Élisabeth sur le moment de la confrontation victorieuse de l'Angleterre sur l'armada espagnole. Il a dû regarder la planète Mars, qui était la planète de l'Angleterre. Et si elle était plus forte que Jupiter, celle de l'Espagne, il déclaira que l'armada serait vaincue. C'est un fait. Il a dû regarder d'autres facteurs comme Mercure qui contrôle les vents et a dit « l'armada pourrait être balayée par les vents ». Et c'est ce qui se passa en réalité. C'est l'apogée de l'astrologie. Dans les années 1600, il y avait plus de 200 astrologues très connus travaillant à Londres. Les gens allaient voir un astrologue lorsqu'ils étaient malades, quand ils avaient subi une perte ou un retournement de fortune, ou lorsqu'ils envisageaient un mariage ou des affaires commerciales. Le premier horoscope hebdomadaire,
date de cette époque. Il se nommait « Le message des étoiles », écrit par William Lilley, devenu fameux pour avoir prédit le grand fléau et le grand incendie de Londres. William Lilley pratiqua l'astrologie « horary », une ancienne méthode conçue pour répondre à des questions spécifiques, par exemple, si une relation conduira au mariage, et même l'endroit où une bague a pu être égarée. Au XXe siècle, le tour est bouclé et nous retrouvons des astrologues particuliers auprès de chefs d'État et des gens ordinaires recherchant un conseil au travers de l'horoscope d'un journal ou allant voir l'astrologue du quartier. Ils ont des décisions à prendre et ils utilisent l'horoscope pour s'aider. Durant la Seconde Guerre mondiale, Hitler utilisa secrètement l'astrologue Karl Kraft. Les Alliés l'ayant découvert en ont fait de même. Ils espéraient obtenir les mêmes conclusions que Kraft. Lorsque Kraft compara le thème de Rommel et celui de Montgomery, juste avant la campagne d'Afrique du Nord, il pouvait voir que les Anglais étaient certains de gagner. La réaction d'Hitler fut de mettre Kraft en prison et de poursuivre la malheureuse campagne. Le président Ronald Reagan était plus enclin de suivre les conseils de son astrologue, Joan Quigley. Son premier succès fut de prédire l'attentat sur la vie de Reagan. Après cela, elle fut impliquée dans toutes les décisions majeures et mineures de la présidence. Lorsque Quigley était au travail, ses calculs avaient la précision de l'heure du décollage de l'avion présidentiel Air Force One pour des conférences au sommet. Et le message allait et venait de Quigley au bureau du président sans cesse jusqu'à l'obtention exacte de l'heure du décollage de l'avion pour tel ou tel rendez-vous au sommet. Et il s'exécutait. Durant l'hiver 86-87, Quigley était inquiète du mouvement d'Uranus et de Saturne. Elle l'interpréta comme un danger d'assassinat. Durant 4 mois, Reagan est resté à l'intérieur de la Maison Blanche et n'en sortit qu'une fois pour s'adresser aux Américains. Chaque événement de la vie du président était minuté par l'horoscope. Mais en quoi l'horoscope a aidé Reagan dans ses grandes décisions de président ? C'est John Quigley qui a dit à Ronald Reagan qu'il pouvait faire des affaires avec l'Union soviétique. Durant la première partie de sa présidence, Reagan était contre cet empire du diable. Et il y avait cette course à l'armement. C'est alors que John vint avec l'horoscope de Gorbatchev et dit à Reagan, « Regardez, c'est un homme avec qui vous pouvez faire des affaires. » Ronald Reagan utilisait l'astrologie pour prendre des décisions qui ont changé l'histoire du monde. Mais des millions de gens ordinaires utilisent l'astrologie dans leur vie de tous les jours. Et ceci pour tout type de raisons. L'astrologie se veut perspicace. Et il n'existe pas de domaine dans la vie où la perspicacité, donc l'astrologie, ne peut être utilisée. L'astrologie peut aider, de la recherche d'un porte-monnaie à la planification d'un voyage. L'horoscope a solutionné les problèmes personnels de beaucoup de gens. Les astrologues pensent qu'un thème astral peut vous aider à vous connaître et ainsi être mieux préparé à affronter les défis. L'horoscope est le document le plus égocentrique imaginable. Une carte de l'univers avec l'individu au centre. Pour de nombreuses personnes, ce thème permet de révéler le passé, le présent et le futur. Diana utilisait l'astrologie assez souvent, et autant que l'on puisse dire, avec succès. Elle est née avec le soleil au cancer, qui représente l'attention, la compassion, le côté émotionnel de son caractère, mais aussi son côté timide et réservé. Les astrologues expliquent mieux la personnalité de la princesse Diana à travers son thème astral. Son thème est l'image de son enfance, et la lune opposée à Uranus indique une enfance tumultueuse. En effet, sa mère est partie soudainement, alors qu'elle était encore une enfant. Et elle héritait d'une belle-mère pas tout à fait aimée très peu de temps après. Cette position de la lune sur Uranus dans son thème explique sa tendance à réagir soudainement, attitude qu'elle avait encore adulte.
Je pense que l'astrologie était une chose très importante pour Diana, en considérant les difficultés qu'elle pouvait rencontrer. Par exemple, je pense à la Lune dans le signe du Verseau, au milieu de Vénus, qui est très difficile émotionnellement et cause de grandes tensions. Son astrologue lui montra comment tourner les choses de manière positive, car c'est un alignement très idéal. Et c'est alors qu'elle rencontra Mère Teresa et commença à s'impliquer totalement dans des œuvres de charité telles que le sida, allant même jusqu'au contact avec les victimes du sida. Dans le thème de la princesse Diana, on voit Saturne, la planète du devoir et de la responsabilité, défiée par Neptune, qui représente la désillusion et la désintégration. Vénus, la planète de l'amour et de la romance, est opposée à Pluton, la planète des choses cachées, de l'opposition et de la fin. Le palais aurait mieux fait de bien regarder l'horoscope de Diana. Ils auraient vu qu'elle ne pourrait jamais se contenter d'une situation tendue, qu'elle ne pouvait pas simplement obéir à des règles. Ils auraient même pu s'en servir dans la situation, la rupture du mariage tout simplement, beaucoup plus positive. Mais est-ce qu'une comparaison des horoscopes de la princesse et du prince aurait pu éviter le désastre du mariage? Peu d'astrologues pensent qu'il est possible de prédire le bonheur de deux personnes, mais tous pensent que cela aurait pu annoncer les problèmes. Le thème du prince Charles montre Vénus à côté de Neptune, qui indique une idéalisation de la femme, en particulier sa mère. Un aperçu du thème de la princesse Margaret montre un dénouement malheureux dans les relations amoureuses. Il montre Vénus attendant l'amour, opposée à Saturne, la planète des devoirs, laissant prévoir la crise durant laquelle elle abandonna l'amour de sa vie, un divorcé pour éviter un scandale. L'astrologie est souvent utilisée pour le mariage. C'est une des raisons les plus fréquentes pour laquelle on consulte. Les questions se concentrent souvent sur les chances de succès des relations entre deux personnes. Des astrologues, comme Eugénie Diserio de New York, se sont spécialisés dans cette branche. Dans une relation, l'astrologie peut être très révélateur de la nature et du comportement. Bien sûr, beaucoup de gens ont des problèmes, vous savez, et ils disent « c'est mon anniversaire et c'est celui de ma partenaire, et votre relation est un désastre. Est-ce que vous avez une solution pour nous aider ?» Et nous regardons si dans les signes astrologiques il y a conflit ou s'il y a des choses que les gens doivent changer. Pour aider les gens dans leurs difficultés, Eugénie propose un service de datation astrologique qui traite les compatibilités astrologiques sur Internet. Certaines personnes vont voir un astrologue pour un conseil médical, habituellement en parallèle de la médecine conventionnelle. La médecine et l'astrologie sont liées depuis des milliers d'années. Chaque partie du corps est représentée par une sous-partie du zodiaque et les horoscopes révèlent des problèmes potentiels de santé. La médecine n'est pas le seul domaine où l'astrologie est présente. Les astro-économistes sont une nouvelle vague de conseillers financiers qui utilisent cet art ancien pour les aider à jouer à la bourse. Certains investisseurs utilisent l'astrologie comme une information conventionnelle pour prédire les marchés. Henry Weingarten a de nombreux succès à son crédit. Nous avons des preuves que ça fonctionne. J'ai prédit la chute du marché de Tokyo il y a 2 ans et demi, à 2 jours près. À Wall Street, les gens sont très intéressés. Est-ce que ça marche? Quelle est la pertinence de l'information? Combien d'argent je peux gagner? Ce ne sont pas des prédictions directes. Chaque décision se base sur une douzaine d'autres. Il arrive que des centaines de thèmes soient interprétés et collectés par l'astrologue. Je commence d'abord à décider dans quelle partie du monde je veux investir, regardant l'horoscope d'un pays donné et l'horoscope d'une monnaie donnée. Ensuite, je regarde l'horoscope de la bourse, le marché sur lequel nous souhaitons investir, et finalement le stock lui-même. De nombreuses surprises dans les marchés sont prévisibles par l'astrologie, comme la guerre dans le Golfe, qui était quelque chose que nous avions anticipé. L'horoscope des affaires semble fonctionner de la même manière que l'horoscope sur les gens. Ils indiquent les influences, les probabilités d'évolution, nous guident en quelque sorte plutôt que de nous dicter. Il n'y a pas de doute sur l'efficacité de l'astrologie. Pour ceux qui l'utilisent dans ce sens, les autres sont moins convaincus. Les scientifiques ont du mal à croire en un système qui n'a pas d'explication à proposer. Mais les astrologues ont un autre moyen à offrir pour convaincre. L'évidence statistique.
L'intérêt populaire de l'astrologie est une énigme pour les scientifiques du XXe siècle, qui la voient comme une superstition retardée. Dans les années 50, un Français, Michel Gauquelin, scientifique et statisticien, non convaincu par l'astrologie, réfuta une étude statistique dans laquelle l'écrivain astrologue Léon Lasson avait mis en rapport l'horoscope avec le choix de carrière. À sa surprise, il confirma les conclusions de Lasson. Il répéta même son étude et trouva des résultats encore plus significatifs. Il trouva un résultat très intéressant en étudiant des hommes qui avaient réussi dans la profession médicale, gagné des prix et fait des découvertes scientifiques. Il a découvert que tous ces hommes étaient nés principalement quand Saturne et Mars avaient atteint leur plus haut point dans le ciel. Gauquelin trouva ce qu'on appela l'effet Mars. Son effet était encore plus concentré pour des athlètes de niveau mondial. Quant aux écrivains, ils avaient plutôt tendance à voir la lune montante dans leur thème. La chose frappante pour les étudiants en astrologie est que ces découvertes se basent sur des croyances traditionnelles sur les influences planétaires. Les découvertes de Gauquelin proposent un étayage des croyances venues du monde ancien, disant que les rois sont nés, tandis que Jupiter est à son apogée. Et c'est pour cela que Jupiter devint la planète des rois. Malgré le travail scientifique rigoureux de Gauquelin, les journaux scientifiques étaient réticents à la publication. Quoi qu'il en soit, Gauquelin fit une autre découverte statistique. Certains aspects de l'astrologie sont héréditaires. Ce n'est pas vrai pour les signes du zodiaque, mais cela se confirme pour l'influence des planètes. Et il a été capable de démontrer que si Mars était en ascension lors de la naissance du père ou de la mère, alors l'enfant aussi était susceptible de naître pendant la montée de Mars. L'évidence, même avec des statistiques à l'appui, ne permet pas de faire changer les opinions des scientifiques. La parapsychologue Susan Blackmore a besoin de plus de preuves. La plupart des astrologues vous diront qu'il y a une relation entre l'heure, le lieu de votre naissance et votre personnalité. Alors faites mon expérience favorite. Prenez une douzaine de personnes et fournissez à un astrologue toutes les informations qu'il souhaite. Fournissez-lui également les lieux, dates et heures, et voyez s'il peut les accorder avec les personnes. De nombreuses expériences montrent que les astrologues ne le peuvent pas. Une expérience similaire a révélé dans des tests psychologiques que la personnalité correspond plus au signe du soleil que l'horoscope natal complet. La raison est que nous connaissons tous notre signe zodiacal. En d'autres termes, les personnes expérimentées s'identifient dans ce qu'ils pensent être leur signe. Certains scientifiques comprennent que les astrologues sont perçus aussi fidèlement par leurs clients. En particulier, les psychologues se sont intéressés à expliquer ces succès. Carl Jung croyait qu'il y avait une relation entre les planètes et les événements terrestres, mais qu'aucun d'entre eux n'influençait l'autre. Ils font tous les deux partie d'un même modèle. Bob Breyer a une théorie différente de la manière dont les astrologues obtiennent leurs résultats. Cela n'a rien à voir avec les étoiles, c'est quelque chose d'autre, et c'est probablement la perception extrasensorielle. Si l'astrologie fonctionnait exactement comme le prétendent les astrologues, il y aurait une corrélation directe entre la position des cieux au moment de votre naissance et vos actions ultérieures, et alors le meilleur astrologue serait un ordinateur. Mais j'ai le sentiment que nombre d'astrologues pensent qu'il n'est pas possible de le faire seulement avec un ordinateur, et c'est alors que l'interprétation devient la perception extrasensorielle. De nombreux psychologues maintiennent que de bons astrologues, ceux qui impressionnent leurs clients avec l'exactitude de leurs analyses, ceux qui peuvent pointer des zones à problème, en fait, combinent plusieurs compétences. Ils peuvent par exemple être très forts en reconnaissant des signaux inconscients émanant de leurs clients, ou bien tout simplement être doués pour dire à leurs clients ce qu'ils souhaitent entendre. Je pense que le pouvoir de l'astrologie réside dans le désir de se reconnaître dans les descriptions qui leur sont exposées. Donc, par exemple, si je vous dis des choses que vous souhaitez entendre, vous êtes confiant, mais en fait, vous êtes plus tracassé qu'il n'y paraît. Maintenant, presque tout le monde vous dira que c'est vrai pour eux, mais pas sur d'autres personnes, parce que vous ne réalisez pas que tout le monde est comme cela. Vous pouvez assez facilement croire que l'astrologie est bien plus vraie qu'elle ne l'est en réalité. Mais les astrologues sont également convaincus qu'un horoscope a ses propres vérités.
Leur position est que de bons astrologues obtiennent des résultats parce qu'ils sont expérimentés dans la lecture des thèmes. On m'a demandé de faire un thème en cadeau pour un homme, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Ayant l'heure de sa naissance, la date et le lieu, je fis donc une cassette pour lui et lui envoya par la poste et n'y pensa plus. Jusqu'à ce que je reçoive un coup de téléphone de sa femme. Elle me dit que la cassette lui permit de comprendre mieux son époux qu'elle ne l'avait plus jusqu'alors. Percy Seymour est l'un des rares scientifiques à développer la théorie avec des évidences sur le sujet. Il a cherché à expliquer Gobelin, démontrant une relation entre la position des planètes et la vie des individus. La théorie de Seymour est qu'il existe un magnétisme entre les planètes et les sens humains. Le mécanisme n'est pas très clair, mais nous savons déjà que le Soleil et la Lune influent sur la Terre. La pleine Lune, par exemple, a longtemps été associée à des changements dans le comportement humain. Et les phases lunaires sont précisément liées à la marée montante et descendante. Les animaux sont capables de répondre aux effets de la lune. Les huîtres, par exemple, s'ouvrent et se ferment à des heures précises. On a pensé que c'était une explication liée au phénomène des marées. Mais les biologistes ont découvert que même dans des bassins clos, les huîtres continuaient leur rythme lunaire d'ouverture et de fermeture. Lorsque les huîtres sont transportées plusieurs milliers de kilomètres de la côte, elles modifient leur rythme au rythme lunaire de leur nouveau domicile. D'une façon comme d'une autre, dans leur bassin coupé de lumière, elles peuvent détecter et répondre aux phases de la Lune. L'activité sur la surface du Soleil influe directement sur notre atmosphère. Les éruptions solaires, tempêtes magnétiques du Soleil, ne font qu'accroître les interférences radio et perturbe le comportement humain. Les accidents de la route se multiplient jusqu'à 4 fois lors de ces turbulences. Les scientifiques admettent que les animaux et les humains peuvent détecter des signaux de voisins proches et puissants comme le Soleil et la Lune. Mais, et concernant les planètes qui sont nettement plus éloignées de la Terre, Percy Seymour a une théorie pour l'influence des planètes. Nous savons tous que le Soleil et la Lune ont des influences sur la Terre. Comment les planètes peuvent entrer dans ce scénario? Comment peuvent-elles jouer un rôle alors qu'elles sont si éloignées de nous? Et leur éloignement provoque sur nous une si petite influence. Je pense que c'est là que le Soleil intervient. Le Soleil peut influencer les faibles forces des planètes et ses infimes forces peuvent être amplifiés par le champ magnétique du Soleil, de sorte que le Soleil peut perturber sous forme de violents orages, par exemple. Ceci affecte le champ magnétique de la Terre, et puisque ce champ magnétique terrestre influe sur une grande variété d'organismes, il peut également influencer l'espèce humaine. L'idée de Seymour est que le système nerveux humain et animal réagit comme des capteurs pour détecter les vibrations du champ terrestre. Une symphonie complexe, orchestrée par le système solaire, constamment en mouvement. Les premiers signaux sont gravés dans notre système nerveux encore vierge, avant même que l'on vienne au monde. Je pense que durant les 9 mois de grossesse, lorsque le fœtus est toujours dans l'utérus, il développe un système de capteurs aériens, qui est le système nerveux, qui assimile les tons, les mélodies, des musiques magnétiques provenant du système solaire. À la naissance, la majeure partie des informations lui viendra de ses 5 sens. Mais il se peut que dans sa vie à venir, l'individu enregistre les thèmes et les mélodies de la symphonie qu'il entendait lorsqu'il était dans l'utérus, et il sera prédisposé à réagir d'une certaine manière. Le débat continue, mais tandis que les scientifiques discutent, les astrologues sont encore plus populaires que durant les 3 derniers siècles. Nous ne savons toujours pas encore s'il existe des bases scientifiques pour l'astrologie. Mais durant des siècles, le même message a émergé encore et encore. Les planètes font partie du même système solaire que la Terre. Et d'une façon comme d'une autre, leur influence est ressentie dans la vie des humains. Pour les milliers d'astrologues qui aident leurs clients à se concentrer sur leur vie et leurs problèmes, les étoiles ont plus qu'une charitable présence dans la nuit. Elles sont les gardiennes de nos forces et de nos faiblesses, de nos désirs, de nos ambitions.
Après cela, elle fut impliquée dans toutes les décisions majeures et mineures de la présidence. Lorsque Quigley était au travail, ses calculs avaient la précision de l'heure du décollage de l'avion présidentiel Air Force One pour des conférences au sommet. Et le message allait et venait de Quigley au bureau du président sans cesse jusqu'à l'obtention exacte de l'heure du décollage de l'avion pour tel ou tel rendez-vous au sommet. Et il s'exécutait. Durant l'hiver 86-87, Quigley était inquiète du mouvement d'Uranus et de Saturne. Elle l'interpréta comme un danger d'assassinat. Durant 4 mois, Reagan est resté à l'intérieur de la Maison Blanche et n'en sortit qu'une fois pour s'adresser aux Américains. Chaque événement de la vie du président était minuté par l'horoscope. Mais en quoi l'horoscope a aidé Reagan dans ses grandes décisions de président ? C'est John Quigley qui a dit à Ronald Reagan qu'il pouvait faire des affaires avec l'Union soviétique. Durant la première partie de sa présidence, Reagan était contre cet empire du diable. Et il y avait cette course à l'armement. C'est alors que John vint avec l'horoscope de Gorbatchev et dit à Reagan, « Regardez, c'est un homme avec qui vous pouvez faire des affaires. » Ronald Reagan utilisait l'astrologie pour prendre des décisions qui ont changé l'histoire du monde. Mais des millions de gens ordinaires utilisent l'astrologie dans leur vie de tous les jours. Et ceci pour tout type de raisons. L'astrologie se veut perspicace. Et il n'existe pas de domaine dans la vie où la perspicacité, donc l'astrologie, ne peut être utilisée. L'astrologie peut t'aider, de la recherche d'un porte-monnaie à la planification d'un voyage. L'horoscope a solutionné les problèmes personnels de beaucoup de gens. Les astrologues pensent qu'un thème astral peut vous aider à vous connaître et ainsi être mieux préparé à affronter les défis. L'horoscope est le document le plus égocentrique imaginable. Une carte de l'univers avec l'individu au centre. Pour de nombreuses personnes, ce thème permet de révéler le passé, le présent et le futur. Diana a utilisé l'astrologie assez souvent, et autant que l'on puisse dire avec succès. Elle est née avec le soleil au cancer, qui représente l'attention, la compassion, le côté émotionnel de son caractère, mais aussi son côté timide et réservé. Les astrologues expliquent mieux la personnalité de la princesse Diana à travers son thème astral. Son thème est l'image de son enfance, et la lune opposée à Uranus indique une enfance tumultueuse. En effet, sa mère est partie soudainement, alors qu'elle était encore une enfant. Et elle héritait d'une belle-mère pas tout à fait aimée, très peu de temps après. La plupart des gens, lire un horoscope est un acte bref, une prédiction impersonnelle dans un journal ou à la télévision. Chelle Van Stunkel est consultante astrologue et écrit des horoscopes dans des journaux anglais et américains. Ces articles sont faits pour donner à chacun d'entre nous une chance de penser à la journée à venir. C'est un peu comme une page météo pour une part spécifique du pays. Mais ces horoscopes se basent sur les signes du Zodiac, appelés aussi les signes du Soleil. Zodiac est le nom donné à une constellation dans le ciel, à travers laquelle le Soleil, la Lune et les planètes passent. Les Romains ont comparé le mouvement des planètes en toile de fond à une course de chariot. Le Soleil, la Lune et les planètes sont le chariot, et les constellations sont la piste de course. Le zodiaque est découpé en 12 divisions ou signes. Chaque personne née durant les 30 jours, durant lequel le soleil traverse la division, appartient à ce signe. Et les astrologues croient que les gens seront influencés par ces caractéristiques. Les prévisions du soleil sont très générales. Néanmoins, les horoscopes dans les journaux connaissent un large suivi. Erin Sullivan, écrivain et formatrice en astrologie, a aussi rempli quelques colonnes dans des quotidiens. Les signes du soleil dans les journaux intéressent des millions de personnes, et c'est souvent pourquoi les gens les achètent. Certaines personnes qui rédigent ces colonnes ont un terrible succès, ils sont très forts. Ils ont un vocabulaire excellent, ils sont capables de très bien modeler le symbolisme. Vous en trouverez qui sont vraiment très bons, et d'autres qui sont absolument ridicules. Un véritable horoscope est bien plus qu'une simple description du signe du soleil. C'est un thème astrologique décrivant les influences astrologiques propres à chaque individu. Le graphique est projeté par un astrologue et est appelé un thème natal. Ceci est un plan des positions des planètes à votre naissance. Et c'est la seule carte qui vous définisse
Et de cette information, un astrologue peut connaître votre potentiel, quel type de personne vous êtes, le type d'expérience que vous pouvez avoir dans votre vie, et comment vous pouvez appréhender certaines difficultés dans votre vie. Les astrologues disent que le thème natal peut révéler si la personne est ouverte, anxieuse, si elle aime la musique, la technique, si elle est émotive, et peut vous indiquer probablement votre type de profession. Ce thème est une image du ciel au moment exact de votre naissance. Les motifs dans les cieux peuvent changer en moins de 4 minutes. Donc personne, à part ceux qui sont nés au même moment, ne peuvent prétendre avoir le même horoscope. On suppose que des jumeaux astrologiques comme le roi George III et le forgeron doivent avoir le même type de vie comme des vrais jumeaux, nés à quelques minutes cruciales d'intervalle. Son thème est l'image de son enfance, et la lune opposée à Uranus indique une enfance tumultueuse. En effet, sa mère est partie soudainement, alors qu'elle était encore une enfant. Et elle héritait d'une belle-mère pas tout à fait aimée très peu de temps après. Cette position de la lune sur Uranus dans son thème explique sa tendance à réagir soudainement, attitude qu'elle avait encore adulte. Je pense que l'astrologie était une chose très importante pour Diana, en considérant les difficultés qu'elle pouvait rencontrer. Par exemple, je pense à la Lune dans le signe du Verseau, au milieu de Vénus, qui est très difficile émotionnellement et cause de grandes tensions. Son astrologue lui montra comment tourner les choses de manière positive, car c'est un alignement très idéal. Et c'est alors qu'elle rencontra Mère Teresa et commença à s'impliquer totalement dans des œuvres de charité telles que le sida, allant même jusqu'au contact avec les victimes du sida. Dans le thème de la princesse Diana, on voit Saturne, la planète du devoir et de la responsabilité, défiée par Neptune, qui représente la désillusion et la désintégration. Vénus, la planète de l'amour et de la romance, est opposée à Pluton, la planète des choses cachées, de l'opposition et de la fin. Le palais aurait mieux fait de bien regarder l'horoscope de Diana. Ils auraient vu qu'elle ne pourrait jamais se contenter d'une situation tendue, qu'elle ne pouvait pas simplement obéir à des règles. Ils auraient même pu s'en servir dans la situation, la rupture du mariage tout simplement, beaucoup plus positive. Mais est-ce qu'une comparaison des horoscopes de la princesse et du prince aurait pu éviter le désastre du mariage? Peu d'astrologues pensent qu'il est possible de prédire le bonheur de deux personnes, mais tous pensent que cela aurait pu annoncer les problèmes. Le thème du prince Charles montre Vénus à côté de Neptune, qui indique une idéalisation de la femme, en particulier sa mère. Un aperçu du thème de la princesse Margaret montre un dénouement malheureux dans les relations amoureuses. Il montre Vénus attendant l'amour, opposée à Saturne, la planète des devoirs, laissant prévoir la crise durant laquelle elle abandonna l'amour de sa vie, un divorcé pour éviter un scandale. L'astrologie est souvent utilisée pour le mariage. C'est une des raisons les plus fréquentes pour laquelle on consulte. Les questions se concentrent souvent sur les chances de succès des relations entre deux personnes. Des astrologues, comme Eugénie Diserio de New York, se sont spécialisés dans cette branche. Dans une relation, l'astrologie peut être très révélateur de la nature et du comportement. Bien sûr, beaucoup de gens ont des problèmes, vous savez, et ils disent « c'est mon anniversaire et c'est celui de ma partenaire ». Et à Saturne, la planète des devoirs, laissant prévoir la crise durant laquelle elle abandonna l'amour de sa vie, un divorcé pour éviter un scandale. L'astrologie est souvent utilisée pour le mariage. C'est une des raisons les plus fréquentes pour laquelle on consulte. Les questions se concentrent souvent sur les chances de succès des relations entre deux personnes. Des astrologues, comme Eugénie Diserio de New York, se sont spécialisés dans cette branche. Dans une relation, l'astrologie peut être très révélateur de la nature et du comportement. Bien sûr, beaucoup de gens ont des problèmes, vous savez, et ils disent « c'est mon anniversaire et c'est celui de ma partenaire, et votre relation est un désastre. Est-ce que vous avez une solution pour nous aider ?» Et nous regardons si dans les signes astrologiques il y a conflit ou s'il y a des choses que les gens doivent changer. Pour aider les gens dans leurs difficultés,
Eugénie propose un service de datation astrologique qui traite les compatibilités astrologiques sur Internet. Certaines personnes vont voir un astrologue pour un conseil médical, habituellement en parallèle de la médecine conventionnelle. La médecine et l'astrologie sont liées depuis des milliers d'années. Chaque partie du corps est représentée par une sous-partie du zodiaque et les horoscopes révèlent des problèmes potentiels de santé. La médecine n'est pas le seul domaine où l'astrologie est présente. Les astro-économistes sont une nouvelle vague de conseillers financiers qui utilisent cet art ancien pour les aider à jouer à la bourse. Certains investisseurs utilisent l'astrologie comme une information conventionnelle pour prédire les marchés. Henry Weingarten a de nombreux succès à son crédit. Nous avons des preuves que ça fonctionne. J'ai prédit la chute du marché de Tokyo il y a 2 ans et demi, à 2 jours près. À Wall Street, les gens sont très intéressés. Est-ce que ça marche? Quelle est la pertinence de l'information? Combien d'argent je peux gagner? Ce ne sont pas des prédictions directes. Chaque décision se base sur une douzaine d'autres. Il arrive que des centaines de thèmes soient interprétés et collectés par l'astrologue. Je commence d'abord à décider dans quelle partie du monde je veux investir, regardant l'horoscope d'un pays donné et l'horoscope d'une monnaie donnée. Ensuite, je regarde l'horoscope de la bourse, le marché sur lequel nous souhaitons investir, et finalement le stock lui-même. De nombreuses surprises dans les marchés sont prévisibles par l'astrologie, comme la guerre dans le Golfe, qui était quelque chose que nous avions anticipé. L'horoscope des affaires semble fonctionner de la même manière que l'horoscope sur les gens. Ils indiquent les influences, les probabilités d'évolution, nous guident en quelque sorte plutôt que de nous dicter. Il n'y a pas de doute sur l'efficacité de l'astrologie. Le président Ronald Reagan était plus enclin de suivre les conseils de son astrologue, Joan Quigley. Son premier succès fut de prédire l'attentat sur la vie de Reagan. Après cela, elle fut impliquée dans toutes les décisions majeures et mineures de la présidence. Lorsque Quigley était au travail, ses calculs avaient la précision de l'heure du décollage de l'avion présidentiel Air Force One pour des conférences au sommet. Et le message allait et venait de Quigley au bureau du président sans cesse jusqu'à l'obtention exacte de l'heure du décollage de l'avion pour tel ou tel rendez-vous au sommet. Et il s'exécutait. Durant l'hiver 86-87, Quigley était inquiète du mouvement d'Uranus et de Saturne. Elle l'interpréta comme un danger d'assassinat. Durant 4 mois, Reagan est resté à l'intérieur de la Maison Blanche et n'en sortit qu'une fois pour s'adresser aux Américains. Chaque événement de la vie du président était minuté par l'horoscope. Mais en quoi l'horoscope a aidé Reagan dans ses grandes décisions de président ? C'est Joan Quigley qui a dit à Ronald Reagan qu'il pouvait faire des affaires avec l'Union soviétique. Durant la première partie de sa présidence, Reagan était contre cet empire du diable. Et il y avait cette course à l'armement. C'est alors que Joan vint avec l'horoscope de Gorbatchev et dit à Reagan, « Regardez, c'est un homme avec qui vous pouvez faire des affaires. » Ronald Reagan utilisait l'astrologie pour prendre des décisions qui ont changé l'histoire du monde. Mais des millions de gens ordinaires utilisent l'astrologie dans leur vie de tous les jours. Et ceci pour tout type de raisons. L'astrologie se veut perspicace. Et il n'existe pas de domaine dans la vie où la perspicacité, donc l'astrologie, ne peut être utilisée. L'astrologie peut aider, de la recherche d'un porte-monnaie à la planification d'un voyage. L'horoscope a solutionné les problèmes personnels de beaucoup de gens. Les astrologues pensent qu'un thème astral peut vous aider à vous connaître et ainsi être mieux préparé à affronter les défis. L'horoscope est le document le plus égocentrique imaginable. Une carte de l'univers avec l'individu au centre. Pour de nombreuses personnes, ce thème permet de révéler le passé, le présent et le futur. Diana utilisait l'astrologie assez souvent, et autant que l'on puisse dire avec succès. Elle est née avec le soleil au cancer, qui représente l'attention, la compassion, le côté émotionnel de son caractère, mais aussi son côté timide et réservé. Les astrologues expliquent mieux la personnalité de la princesse Diana à travers son thème astral. A chart's a picture of what one experienced in childhood.
Son thème est l'image de son enfance. Le thème du prince Charles montre Vénus à côté de Neptune, qui indique une idéalisation de la femme, en particulier sa mère. Un aperçu du thème de la princesse Margaret montre un dénouement malheureux dans les relations amoureuses. Il montre Vénus attendant l'amour, opposée à Saturne, la planète des devoirs, laissant prévoir la crise durant laquelle elle abandonna l'amour de sa vie, un divorcé pour éviter un scandale. L'astrologie est souvent utilisée pour le mariage. C'est une des raisons les plus fréquentes pour laquelle on consulte. Les questions se concentrent souvent sur les chances de succès des relations entre deux personnes. Des astrologues, comme Eugénie Diserio de New York, se sont spécialisés dans cette branche. Dans une relation, l'astrologie peut être très révélateur de la nature et du comportement. Bien sûr, beaucoup de gens ont des problèmes, vous savez, et ils disent « c'est mon anniversaire et c'est celui de ma partenaire, et votre relation est un désastre. Est-ce que vous avez une solution pour nous aider ?» Et nous regardons si dans les signes astrologiques il y a conflit ou s'il y a des choses que les gens doivent changer. Pour aider les gens dans leurs difficultés, Eugénie propose un service de datation astrologique qui traite les compatibilités astrologiques sur Internet. Certaines personnes vont voir un astrologue pour un conseil médical, habituellement en parallèle de la médecine conventionnelle. La médecine et l'astrologie sont liées depuis des milliers d'années. Chaque partie du corps est représentée par une sous-partie du zodiaque et les horoscopes révèlent des problèmes potentiels de santé. La médecine n'est pas le seul domaine où l'astrologie est présente. Les astro-économistes sont une nouvelle vague de conseillers financiers qui utilisent cet art ancien pour les aider à jouer à la bourse. Certains investisseurs utilisent l'astrologie comme une information conventionnelle pour prédire les marchés. Henry Weingarten a de nombreux succès à son crédit. Nous avons des preuves que ça fonctionne. J'ai prédit la chute du marché de Tokyo il y a 2 ans et demi, à 2 jours près. À Wall Street, les gens sont très intéressés. Est-ce que ça marche? Quelle est la pertinence de l'information? Combien d'argent je peux gagner? Ce ne sont pas des prédictions directes. Chaque décision se base sur une douzaine d'autres. Il arrive que des centaines de thèmes soient interprétés et collectés par l'astrologue. Je commence d'abord à décider dans quelle partie du monde je veux investir, regardant l'horoscope d'un pays donné et l'horoscope d'une monnaie donnée. Ensuite, je regarde l'horoscope de la bourse, le marché sur lequel nous souhaitons investir, et finalement le stock lui-même. De nombreuses surprises dans les marchés sont prévisibles par l'astrologie, comme la guerre dans le Golfe, qui était quelque chose que nous avions anticipé. L'horoscope des affaires semble fonctionner depuis Jupiter est à son apogée. Et c'est pour cela que Jupiter devint la planète des rois. Malgré le travail scientifique rigoureux de Gauquelin, les journaux scientifiques étaient réticents à la publication. Quoi qu'il en soit, Gauquelin fit une autre découverte statistique. Certains aspects de l'astrologie sont héréditaires. Ce n'est pas vrai pour les signes du zodiaque, mais cela se confirme pour l'influence des planètes. Il a été capable de démontrer que si Mars était en ascension lors de la naissance du père ou de la mère, alors l'enfant aussi était susceptible de naître pendant la montée de Mars. L'évidence, même avec des statistiques à l'appui, ne permet pas de faire changer les opinions des scientifiques. La parapsychologue Susan Blackmore a besoin de plus de preuves. La plupart des astrologues vous diront qu'il y a une relation entre l'heure, le lieu de votre naissance et votre personnalité. Alors faites mon expérience favorite. Prenez une douzaine de personnes et fournissez à un astrologue toutes les informations qu'il souhaite. Fournissez-lui également les lieux, dates et heures, et voyez s'il peut les accorder avec les personnes. De nombreuses expériences montrent que les astrologues ne le peuvent pas. Une expérience similaire a révélé dans des tests psychologiques que la personnalité correspond plus au signe du soleil que l'horoscope natal complet. La raison est que nous connaissons tous notre signe zodiacal. En d'autres termes, les personnes expérimentées s'identifient dans ce qu'ils pensent être leur signe. Certains scientifiques comprennent que les astrologues sont perçus aussi fidèlement par leurs clients. En particulier, les psychologues se sont intéressés à expliquer ces succès. Carl Jung croyait qu'il y avait une relation entre les planètes et les événements terrestres.
mais qu'aucun d'entre eux n'influençait l'autre. Ils font tous les deux partie d'un même modèle. Bob Breyer a une théorie différente de la manière dont les astrologues obtiennent leurs résultats. Cela n'a rien à voir avec les étoiles, c'est quelque chose d'autre, et c'est probablement la perception extrasensorielle. Si l'astrologie fonctionnait exactement comme le prétendent les astrologues, il y aurait une corrélation directe entre la position des cieux au moment de votre naissance et vos actions ultérieures. Et alors, le meilleur astrologue serait un ordinateur. Mais j'ai le sentiment que nombre d'astrologues pensent qu'il n'est pas possible de le faire seulement avec un ordinateur. Et c'est alors que l'interprétation devient la perception extrasensorielle. De nombreux psychologues maintiennent que de bons astrologues, ceux qui impressionnent leurs clients avec l'exactitude de leurs analyses, ceux qui peuvent pointer des zones à problème, en fait, combinent plusieurs compétences. Ils peuvent par exemple être très forts en reconnaissant des signaux inconscients émanant de leurs clients, ou bien tout simplement être doués pour dire à leurs clients ce qu'ils souhaitent entendre. Je pense que le pouvoir de l'astrologie résulte. Mais ça, ce fut d'une très grande responsabilité, car nous avons relevé cette nouvelle lune dans le poisson et nous. Pensions que ça allait devenir le thème le plus extraordinaire. Il collait parfaitement avec les autres thèmes. Nous l'avons préparé pour que ma femme rentre à l'hôpital, et nous avons attendu que le docteur vienne faire les préparatifs, mais rien ne s'est passé. Elle avait fait une crise ce matin-là. Le résultat est que la Lune avait changé de signe. L'horoscope était complètement différent. Mais en fait, ce fut la chose la plus extraordinaire et je pense que la leçon à en tirer est qu'il faut laisser les choses se faire. L'intérêt de l'astrologie s'est réduit durant le Moyen-Âge. Mais au XVIe siècle, il est redevenu très actif, bien vu et une qualité essentielle pour les gens bien éduqués. L'astrologie était un courant dominant, au même titre que les mathématiques dans les universités, la médecine et l'astronomie étaient utilisées par les docteurs, les scientifiques et les hauts intellectuels. L'un des astrologues les plus connus de toute l'histoire de l'astrologie était John Dee, qui était l'astrologue privé de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Et on peut dire qu'il est responsable de certaines des plus capitales décisions prises durant l'un des plus importants règnes de l'histoire de l'Angleterre. Le travail de Dee a aussi consisté à être un espion pour Élisabeth. Mais l'astrologie, et non la politique étrangère, était le fer de lance de sa fonction auprès de la reine. Il choisit des dates propices pour tout événement important. Un de ses plus grands succès fut en 1588, lorsqu'il conseilla Élisabeth sur le moment de la confrontation victorieuse de l'Angleterre sur l'armada espagnole. Il a dû regarder la planète Mars, qui était la planète de l'Angleterre. Et si elle était plus forte que Jupiter, celle de l'Espagne, il déclaira que l'armada serait vaincue. C'est un fait. Il a dû regarder d'autres facteurs comme Mercure qui contrôle les vents et a dit « l'armada pourrait être balayée par les vents ». Et c'est ce qui se passa en réalité. C'est l'apogée de l'astrologie. Dans les années 1600, il y avait plus de 200 astrologues très connus travaillant à Londres. Les gens allaient voir un astrologue lorsqu'ils étaient malades, quand ils avaient subi une perte ou un retournement de fortune, ou lorsqu'ils envisageaient un mariage ou des affaires commerciales. Le premier horoscope hebdomadaire date de cette époque. Il se nommait « Le message des étoiles ». Écrit par William Lilley, devenu fameux pour avoir prédit le grand fléau et le grand incendie de Londres. William Lilley pratiqua l'astrologie, horary, une ancienne méthode conçue pour répondre à des questions spécifiques, par exemple, si une relation conduira au mariage, et même l'endroit où une bague a pu être égarée. Au XXe siècle, le tour est bouclé et nous retrouvons des astrologues particuliers auprès de chefs d'État. L'historien Nick Campion, de l'Université de Cambridge, a effectué une étude académique sur l'influence de l'astrologie. L'astrologie, en fait, est infiniment flexible. On ne peut pas nier le fait que c'est l'un des outils les plus précis pour décrire les caractères et pour prédire le futur. Robert Curet est un astrologue important qui attire chaque année des milliers de personnes dans son magasin. Je pense que le succès et la popularité de l'astrologie sont dus au fait que c'est une vérité. C'est quelque chose de fondamental. Je pense que l'astrologie provient de quelque chose de supérieur, c'est une part de l'univers. Il m'arrive, lorsque je fais des thèmes astrologiques en consultation, d'avoir des frissons dans le dos parce que les gens diront des choses étrangement vraies, en accord avec les thèmes. Pour la plupart des gens, lire un horoscope est un acte bref.
Une prédiction impersonnelle dans un journal ou à la télévision. Chelle Van Stunkel est consultante astrologue et écrit des horoscopes dans des journaux anglais et américains. Ces articles sont faits pour donner à chacun d'entre nous une chance de penser à la journée à venir. C'est un peu comme une page météo pour une part spécifique du pays. Mais ces horoscopes se basent sur les signes du Zodiac, appelés aussi les signes du Soleil. Zodiac est le nom donné à une constellation dans le ciel, à travers laquelle le Soleil, la Lune et les planètes passent. Les Romains ont comparé le mouvement des planètes en toile de fond à une course de chariot. Le Soleil, la Lune et les planètes sont le chariot, et les constellations sont la piste de course. Le Zodiac est découpé en 12 divisions ou signes. Chaque personne née durant les 30 jours, durant lequel le Soleil traverse la division, appartient à ce signe. Et les astrologues croient que les gens seront influencés par ces caractéristiques. Les prévisions du Soleil sont très générales. Néanmoins, les horoscopes dans les journaux connaissent un large suivi. Erin Sullivan, écrivain et formatrice en astrologie, a aussi rempli quelques colonnes dans des quotidiens. Les signes du Soleil dans les journaux intéressent des millions de personnes, et c'est souvent pourquoi les gens les achètent. Certaines personnes qui rédigent ces colonnes ont un terrible succès, ils sont très forts. Ils ont un vocabulaire excellent, ils sont capables de très bien modeler le symbolisme. Vous en trouverez qui sont vraiment très bons, et d'autres qui sont absolument ridicules. Un véritable horoscope est bien plus qu'une simple description du signe du Soleil. C'est un thème astrologique décrivant les influences astrologiques propres à chaque individu. Le graphique est projeté par un astrologue et est appelé un thème natal. Ceci est un plan des positions des planètes à votre naissance. Et c'est la seule carte qui vous définisse. Et de cette information, un astrologue peut connaître votre potentiel, quel type de personne vous êtes, le type d'expérience du monde. C'est la forme la plus ancienne de l'astrologie et la plus utilisée par les plus grands chefs d'État de l'histoire. Ces horoscopes montrent les moments propices pour débuter d'importantes entreprises, que ce soit pour des discours ou pour déclarer la guerre. L'astrologue Joanne Quigley utilisa l'astrologie du monde pour choisir le meilleur moment pour Ronald Reagan afin d'inaugurer son second mandat de président des États-Unis d'Amérique. Elle choisit 11h57 le matin à travers le thème pour Washington DC. C'est un thème spectaculaire. Le Soleil est sous le signe du Verseau, qui est le signe de Ronald Reagan. Et Jupiter, la planète de la croissance, de l'expansion et de l'opportunité, était proche de la Lune, ce qui signifie popularité. Il ne pouvait y avoir de meilleure indication pour le succès d'un gouvernement. Le rôle de Quigley dans la Maison-Blanche fut très secret. Mais des choix politiques très importants en Inde et en Malaisie sont toujours faits par des lectures astrologiques en public. Un horoscope est basé sur une carte du ciel. C'est une carte extrêmement détaillée et les astrologues sont reconnaissants d'utiliser la technologie des ordinateurs, ce qui évite un lourd travail de dessin. Henry Weingarten est un astrologue financier qui génère des milliers de thèmes chaque année. Le rôle des ordinateurs a remplacé le travail de nombreux étudiants, et cela depuis de nombreuses années. Ils calculent les procédures à votre place, mais l'analyse reste faite par un professionnel. La carte devient parlante lorsque l'astrologue commence à la lire. L'astrologie demande de la technique, demande de grandes connaissances des influences planétaires. Les clés de la réussite sont la pratique et l'expérience. Les astrologues ne prétendent pas qu'un horoscope prédit totalement le futur. Ils disent que les étoiles ne sont pas catégoriques, elles expriment une tendance. Donc, aucun horoscope ne va déclarer que tel accident va survenir, seulement qu'à un certain moment, un accident est possible. Les astrologues ont pour but de fournir à leurs clients des informations supplémentaires pour les aider à choisir sans restriction. De nombreuses personnes pensent que la lecture d'un horoscope provoque la réflexion et pousse la concentration sur les issues. Ça les aide à prendre des décisions. Comment l'analyse d'une carte du ciel peut-elle influencer les décisions des gens sur Terre? La réponse réside dans la croyance de l'astrologie et l'influence des planètes. Une croyance qui naquit il y a 5000 ans. 3000 ans avant Jésus-Christ, l'astrologie naquit parmi les anciennes civilisations de Mésopotamie, aujourd'hui représentée sur le territoire de l'Irak. Dans une région appelée Babylone, les premiers astrologues se posèrent sur leur petite colline, ziggurat, d'une centaine de mètres d'altitude,
pour observer les étoiles. Ils se mirent à observer que les corsaires astrologues ont vu ces planètes comme symbolisant la puissance et les caprices des dieux et des déesses. Chacune des planètes ressemblait en apparence, et d'après ses mouvements, aux caractéristiques de son dieu d'appartenance. Les Grecs et les Romains, après les Babyloniens, ont cru que ces planètes, toutes différentes, influençaient la vie sur Terre. Et que plus une planète fut proche de la Terre, d'après son orbite, plus les gens sur Terre subissaient son influence. Cette idée ancienne de l'influence des planètes, avec des personnalités distinctes, est toujours la pierre angulaire de l'astrologie moderne et la base de l'interprétation des horoscopes. La fonction principale d'un horoscope est d'enregistrer la position des planètes pour évaluer leur influence. Ce thème, l'horoscope de John Fitzgerald Kennedy, est sténographié et développé par les astrologues à travers les siècles. Malgré le peu d'évolution dans le temps de cette sténographie, le mécanisme de dessin des thèmes a été transformé par les ordinateurs. Mais les astrologues continuent à apprendre les techniques traditionnelles en utilisant les tableaux astrologiques. Si on voulait calculer l'horoscope du président Kennedy, il nous faudrait d'abord connaître sa date de naissance, l'heure et l'endroit où il est né. Il est né le 29 mai 1917 à Brooklyn, Massachusetts, à 3h17 l'après-midi. La première étape est de calculer l'heure au niveau du méridien de Greenwich. La raison est plutôt simple, toutes les planètes sont calculées à partir de l'heure GMT. Maintenant, nous pouvons utiliser le tableau des maisons pour ajuster et alors observer son signe ascendant qui est Balance. Le signe ascendant est le signe montant dans l'horizon Est, à votre naissance. D'après les traditions astrologiques, le signe montant ou ascendant est aussi important pour définir votre horoscope et votre caractère que l'est le signe du Soleil. Pour le thème du président Kennedy, son signe montant est la Balance. On le note attentivement à gauche et on remplit le reste des signes du zodiaque autour du cercle jusqu'au signe de la Vierge. Le thème a encore d'autres découpages. Il y a les maisons. Elles se réfèrent à des zones pratiques de la vie humaine, comme la famille, l'argent, le voyage et le travail. L'étape suivante consiste à déterminer la position des planètes au moment de la naissance. On prend maintenant un livre appelé Éphéméride qui va permettre de lister la position des planètes pour tous les jours de l'année et même pour des centaines d'années. En prenant le thème du président Kennedy, il est né avec le Soleil aux Gémeaux et la Lune sur la Vierge. Maintenant, les positions des planètes dans l'éphéméride vont